Améliorez votre expérience sur Internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur Internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Chers amis, bonjour. Nous revoici partis au Charbon Léon après cette trêve internationale qui a permis, notamment, tous les réseaux sociaux s'en sont fait l'écho, à notre ami Moussa Altamari de briller contre le Pakistan avec la Jordanie. Un triplé lors de ce match international. Là, bien sûr, si Moussa était aussi bien inspiré au Stade Océane du Havre ce dimanche, ma foi, on ne verrait pas ça d'un mauvais œil. Ce match contre les Normands, eh bien, ce fut le premier de la saison, rappelez-vous. À la Mosson, 2 buts partout, dans un contexte totalement différent. Nous voilà partie pour la Normandie. Y affronter, je me permets d'attirer votre attention là-dessus, y affronter une équipe du Havre qui a perdu 5 de ses 6 derniers matchs. Alors certes, les joueurs de Lucas Elsner sont assez brillants, globalement, à domicile. Mais nous, bien sûr, il faut se projeter sur ce match-là et sur ce qu'il va se passer en avril. Et oui, en avril, il y aura là la dernière sortie du dernier virage avant le sprint final avec 4 matchs très importants. On aura l'occasion d'en reparler, mais ma foi, si seulement nous pouvions ne pas rentrer à vide de ce déplacement au Havre, on s'en porterait pas plus mal au fond. Des Havrais qui n'ont qu'un seul point d'avance sur nous, calés à la 13e place. Nous sommes, nous, à la 14e. En attendant, plus tard, bien sûr, la réception de Lorient, les déplacements à Clermont, à Reims et la réception de Nantes. Ce match, ce mois d'avril, sera capital pour le MHSC. Nous avons tous conscience de l'importance de cette rencontre face au Havre, sachant que les Nantais seront à Nice ce week-end et les Lorientais, qui sont derrière nous, affronteront l'équipe qui marche sur l'eau, celle de Brest. Ma foi, il faut se défendre, défendre notre maillot, défendre notre avenir. Et ce sera ce dimanche, à partir de 15h, en notre compagnie, je n'en doute pas, au Stade Océane du Havre, à dimanche.